Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu, te rendre toute la gloire en cet acte aujourd'hui du jeudi 29 août 2019. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Utilise ma personne et accomplis ta volonté. Je suis serviteur par ta volonté. C'est toi qui, par ta volonté, m'as choisi. Et que c'est qu'est une grâce. Alors utilise-moi et bénis ce peuple, bénis ton peuple. Au travers de l'enseignement, et que ce enseignement puisse faire du bien à ton peuple. Seigneur, merci au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, chers amis, shalom, qui veut du Père. Voilà, salut, Père, sur toi. C'est comme on se lève matin, dit bonjour. C'est comme ça, shalom, c'est la salutation hébraïque des Hébreux. Voilà, comme nous avons par l'héritage d'Abraham, et puis shalom et du Père. Voilà, donc shalom, et que la paix de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Je suis le prophète Crasso depuis la France, qui va échanger avec vous, prier avec vous, et encore appeler le maréchal de la brigade anti-sorcier. D'autres disent, ah, mais pourquoi une brigade? Ouais, une brigade, voilà. Mais c'est quelle brigade? C'est un commissariat, tout ça? Là, vous êtes là, vous êtes à la brigade. Voilà. Amen. Vous avez dit, mais pourquoi il y a anti tout ça? Pourquoi c'est une particularité? Bien sûr, parce que c'est une inspiration qu'on a reçue de la part de Dieu. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on veut. On veut l'être. Et on est serviteur de Dieu parce que Dieu nous choisit et fait de nous ses serviteurs. Voilà. Alors, donc, moi, ce n'est pas de ma volonté de le servir. D'ailleurs, je pouvais faire autre chose. Selon moi, je pouvais faire autre chose. Et Dieu, dans sa grâce, m'a choisi, n'est-ce pas, faire de lui son serviteur. Encore, j'ai été moi-même victime de la sorcellerie très grave. Et par la grâce de Dieu, j'ai été miraculeusement sauvé par Jésus. Alors, il fait de moi un serviteur. Donc, je suis mieux placé pour connaître ce qu'on appelle la sorcellerie. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi anti? Voilà. On dit, en Côte d'Ivoire, il y a une brigade anti-salubrité parce que la salubrité n'est pas bonne. C'est pas ça? Amen. La salubrité n'est pas bonne, donc il faut créer une brigade pour ça. Voilà, c'est pas bon. Malgré ça, on gère quand même les ordures, mais c'est pas bon. Voilà. Il y a des autres forêts qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, tu dis à l'abouti, on dit que c'est pas bon. Mais tu vois ça quand même, tu manges. Parce que tu as vu comment elles sont graines, pas quand même. Quand l'abouti est dedans, là, c'est bon. Voilà, donc. Oui, ils sont grains dans la boutique, laisse tranquille, il y a un placard, il y a du blé dedans, non, c'est trop doux. Mais on dit souvent qu'il faut préserver les espèces, tout ça. Donc, quand j'ai un fléau, quand j'ai un événement, j'ai un fléau, quelque chose qui nuisit, qui détruit, n'est-ce pas? Il y a forcément quelque chose qu'on met devant pour combattre ça. On parle de cybercriminalité contre les bruteurs, ceux qui attaquent sur Internet, tout ça. J'ai une brigade spéciale, même en Côte d'Ivoire, pour ça, pour lutter contre ça. Quand il y a un mal qui est là, il y a toujours, n'est-ce pas, Dieu, il y a quelque chose qu'on met pour combattre ce mal. Vous allez me dire, mais la sorcellerie, est-ce que, en quoi Dieu va créer une brigade? Mais Dieu, il passe par les gens pour agir. Voilà, Dieu passe par les gens pour agir. Alors, nous, en tant que serviteurs de Dieu, dans ce ministère, c'est un ministère d'abord évangélique. Un ministère chrétien évangélique, c'est-à-dire que nous évangélisons, ok, et encore, nous procédons, nous annonçons Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, et pour nous procédons sur la délivrance, et encore, nous éclairons le monde entier sur le phénomène de la sorcellerie. La sorcellerie est très nuisible, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une brigade, justement, cette brigade, vous allez regarder sur YouTube, ma chère, ils ont mis brigade anti-sorcier, pour éclairer les gens. Que vous voulez ou pas, que vous n'aimez pas le prophète Crasso. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Crasso, hein? Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Et puis d'ailleurs, quand si tout le monde t'aime, c'est pas bon. C'est même pas bon. Parce que Dieu m'aime là. Il y a des gens même qui disent que Dieu n'existe pas. Mais Dieu les dit à les bouddhistes. Voilà. Il y a des gens qui disent non, Dieu n'existe pas. Malgré ça, Dieu les donne à manger. Donc Dieu même qu'elle est, il y a d'autres gens qui ne croient pas en lui. Il y a des gens même matin, c'est sûr, Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui les gens vont aimer à 100%, mais j'ai un message, ok? C'est le message qui est le plus important. Le message, la sorcellerie. La
la sorcellerie. Ok, sorcellerie. Dans toutes les langues, dans le monde entier, existe. Parce que la sorcellerie, c'est en français. Hein. Quand je dis sorcellerie, c'est pratiquement en français. Ok, c'est en français. Chez nous, en Bété, parce que j'ai deux côtés, il y a Goula, il y a Bété. Chez nous, chez les Bétons, il y a Gougnon. Gou, ça veut dire tout ce qui est mauvais goût. Mauvaise chose, fétiche, gougnon, c'est-à-dire quelqu'un qui a goût, qui a un mauvais pouvoir satanique. Souba, sorcellerie, en Goula, Souba. En Gouro, il y en a. Et en toutes les langues, en Dida. Dida, oh, Dida, vous dites quoi là-bas, Dida, j'ai oublié là maintenant. Vas-y. Un booster, voilà. Vas-y. Il y a un, je crois, en titre, ils appellent ça pour. Vous voyez, par, il est. Feu, en titan, en. Beau. Il dit, c'est eux qui ont trouvé le nom, un beau. En natif. Donc, dans chaque langue, vous allez même trouver, même en chinois, il y en a. Moi, je cherche même le nom des sorcelleries en chinois. Celui qui va lire cette vidéo, qui m'envoie le nom de. Parce que je vais chercher à savoir, les chinois, là, ils n'ont qu'à me donner le nom en chinois. Ou en japonais. Donc, vous dites, dans toutes les langues du monde, le nom sorcellerie existe. Ok, si la sorcellerie existe dans toutes les langues du monde, nous devons prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nommer quelque chose, on ne peut pas donner un nom à quelque chose qui n'existe pas. Encore, ce qui est intéressant, c'est que nous, les Africains, tu ne peux pas dire à un Africain que la sorcellerie n'existe pas, lui a des droits, non, il va être parole même d'abord, même s'il ne va pas à l'église. Mais écoute la sorcellerie, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Il ne va pas à l'église, hein? Mais écoute la sorcellerie. Parce que s'il ne croit pas à la sorcellerie, tu as un témoignage. Le petit Sadi là a venu manger tes oreilles, tu vas comprendre que la sorcellerie existe. Tu ne crois pas, il va venir te visiter la nuit. Zambé va venir te visiter la nuit et tu vas croire à la sorcellerie. Il va prendre tes intestins, il va faire comme un peuple soupe à qui a gouvernement, tu manges, tu vas croire ça. Donc la sorcellerie existe. Il y a un exemple, c'est-à-dire dans les villages, partout où on a vécu, il y a témoignage. Chacun, plus ou moins, a commis ça. C'est-à-dire qu'il a été victime du moins de la sorcellerie. Donc la sorcellerie, mais dans sa définition, veut dire quelqu'un qui lance un mauvais sort. Donc dans la définition de la sorcellerie, en français, ça veut dire bougnon. Boupa, Gougnon. Ça veut dire quelqu'un qui lance un mauvais sort. Donc la sorcellerie est plus négative que positive. Quand tu dis à quelqu'un, voici Gougnon, je l'ai bêté, Gougnon, il a peur. Vous lui dites bonjour, mais il a peur. Parce qu'il sait que le monsieur est dangereux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit les sorciers, et puis les gens disent ah oui, et puis les gens n'ont pas peur de lui. Quand on dit quelqu'un est sorcier, tout le monde a peur. Parce qu'ils savent qu'il a un pouvoir mystique. C'est ça le problème. Le monsieur, l'individu, est un pouvoir mystique et capable de te donner des flèches sans le savoir. J'ai vécu un truc dans la région de Soubré, vers 2007 là-bas, parce que moi, il y a longtemps, j'ai commencé cette histoire, j'ai visité, et puis d'ailleurs, je suis en train de préparer une tournée africaine, pour que les gens comprennent. J'annonce bientôt ma tournée africaine, commencée par la Côte d'Ivoire, les villages les plus redoutables, la sorcellerie. Si vous voulez inviter le prophète Krasse, mais Dieu nous donnera les moyens pour faire la tournée ivoirienne et africaine. Après la Côte d'Ivoire, attaquer le Sénégal, attaquer le Cameroun, attaquer le Bénin, attaquer le Togo, attaquer le Kenya, attaquer beaucoup de pays africains. Alors, ceux qui veulent sont intéressés par cette tournée africaine, contactez le prophète. Je n'irai pas seulement que dans les grandes capitales africaines. J'irai dans les régions, quand vous dites d'autres régions là, par exemple à Casamance, où il y a des sorcelleries, où il y a de plus de fétichisme, parce qu'au Sénégal, eux, vu que le monde est marabout, j'aime les endroits où la sorcellerie est implantée et les gens ne croient que la sorcellerie est Dieu. Alors, je suis quelqu'un que Dieu utilise pour défier les faux prophètes de Baal et les féticheurs et les tout. Donc, très bientôt, une tournée africaine. Africaine. Parce que le problème même de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est un problème spirituel. Nous avons un continent qu'on appelle l'Afrique, qui est convoité par les Américains. Les Américains veulent posséder l'Afrique. Mais les Chinois aujourd'hui, les Chinois, ils envoient plus de 150 000 Chinois en France.
pour apprendre le français, parce qu'ils se disent, avec la langue de Molière, c'est possible qu'on puisse maintenant posséder l'Afrique. Les Chinois avaient possédé l'Afrique, les Asiatiques, en fait, les Asiatiques, c'est les Chinois, avaient possédé l'Afrique. Les Européens, et moi on n'en parle pas, il y a longtemps, ils sont sur le territoire africain, et encore les Américains avaient possédé l'Afrique. Ils savent que dans l'avenir, ceux qui posséderont l'Afrique vont se développer. Mais nous-mêmes, les Africains, nous sommes inconscients, c'est-à-dire on ne sait même pas ce que nous avons dans notre propre main. Que l'Afrique, là, l'Afrique plus tard, dans les années, dans l'avenir, c'est-à-dire dans le futur, dans 20 ans, 30 ans, le rêve d'un blanc européen, c'est de venir vivre en Afrique. Parce que nous avons tout. Nous avons la forêt, nous avons tout. Nous avons tout là-bas. Malheureusement, ce qui fait que l'Afrique ne se développe pas, c'est la sorcellerie. Alors, je rendais mon témoignage tout à l'heure. Dans la région de Souvray, je suis allé pour faire une délivrance. Et cette fois-ci, on m'a envoyé dans un village où il y avait un grand sorcier. On l'appelait Aga. C'est un grand sorcier. C'est-à-dire, lui-même, là, tout le monde sait qu'il est sorcier. Et lui-même, il dit qu'il est sorcier. Et pas les petits sorciers, on t'attrape, tu dis, non, nah, hein, il ne veut pas sorcellerie, pour toi, tu manges. Lui, il dit les sorciers. Lui, il s'en fout. Ça dit, il tue le monsieur, il a fini de le tuer pendant que vous faites les funérailles. Lui, il vient, il dit, ah, monsieur, c'est moi qui t'ai tué. Et non, c'est pas là. Il dit, c'est moi qui t'ai tué. Tu n'as pas dit que tu voulais construire une maison. Moi, je suis là, quand tu veux construire une maison. Puis, il nargue tout le monde, et puis, ça va. Tu pleures, il faut t'amuser. Le gars va te manger à son gré. Ça dit, toi-même, là, si tu veux, il dit, ah, pourquoi t'as tué mon papa? La nuit même, là, il t'a déjà tué. Bon, à tout, il y a son gré, il y a du mal, c'est toi, avec la calée, il marche. Tout c'est fini. Donc, quand il finit, la personne n'est pas. Pour vous enterrer votre mort. Donc, on m'a invité là, on m'a regardé comme ça, on dit, mais est-ce que tu peux? Mais est-ce que c'est question de peu? Moi, je crois que Jésus est Seigneur, point bas. Le reste, c'est pas. Vous savez, le pouvoir, c'est pas question de taille ni l'âge. C'est de croire la puissance de Jésus, point bas. Amen. Tu sais qu'il est au-dessus de la sorcellerie. Moi, je n'ai pas peur de sorcellerie. C'est tout. C'est pas peur de non. Est-ce que tu peux? Jésus peut toujours. Alors, s'il peut toujours, il dit à mon nom, vous marcherez sur les scorpions, les serpents. Mais si toute la puissance du diable, rien ne pourra venir. Luc 10, verset 19. Rien ne pourra venir. On m'invite dans le village. Vous savez, quand on m'invite dans le village, moi, j'attaque directement la sorcellerie. Je ne suis pas là pour dire Jésus, c'est vrai. Je prêche l'évangile, puis je menace les sorciers. Les gens pensent que c'est comme je suis en France, aujourd'hui, en train d'installer mes guides, et tout ça, que j'ai commencé. Non. J'ai très longtemps que je suis dans cette histoire. Tant que maréchal. Alors, on a commencé, et puis le grand sorcier, tout le monde disait son nom, c'était son nom. Alors, donc moi, je donne 3 jours aux gens. Venez parler, on va vous délivrer. Si vous voulez délivrer de la sorcellerie, bon, ça va. Parce que la sorcellerie, c'est une maladie. Hein. Pour moi, c'est une maladie. Quand tu as ça, ah, mon cher, tu regardes même ton enfant. Tu as une maman qui regarde l'enfant, tu le vois en hérisson, ou bien en biche, ou bien en gazelle, ou bien souvent même en abouti. Pendant que tu dis, eh, maman, tu dis Norbert, tu vois Norbert en hérisson, tu veux le manger. Tu vois, vous voyez comme c'est bête, les sorcières, c'est bête. Pendant qu'il dort, l'enfant dort, tu veux le manger. Pendant que l'enfant dort, le rond, maman, là, elle va au marché, elle achète bonbon frais, aubergine, tout ça, elle tomate, grosse boule de tomate, pour faire que de nous. Vous voyez, donc, la sorcellerie, c'est une vilaine chose. Alors, le monsieur, quand ils ont fini de parler, moi, je dis, bon, le monsieur, je vais aller chez lui. Je vais le défier. Les gens m'ont regardé. Oh, il était dans une église qu'on appelle Déima, ce monsieur. Alors, donc, je pars chez lui. Avant d'arriver chez lui, pendant qu'il était assis près de sa maison, devant sa porte, de lui à moi, frère, sorcellerie, là, si ce n'est pas Dieu qui protège l'homme, aujourd'hui, là, longtemps, j'étais mort. Quand les gens, ils parlent, ils savent pas ce que moi, j'ai vécu face aux puissances des ténèbres. Si j'étais dans le faux, si je ne marchais pas selon Dieu, je me suis regardé bien mes vidéos. Si je ne marchais pas selon Dieu, à longtemps, j'étais mort. Parce qu'il y a des gens qui sont allés dans des villages, n'est-ce pas, et puis on les a tués. Moi, je suis toujours là, je continuerai de faire. D'ailleurs, très bientôt, je vais retourner africain. Je vais toucher le Cameroun, je vais toucher le Sénégal, je vais toucher. Et puis quand j'ai venu là, c'est dans les coins où il y a des grands sorciers. C'est là-bas que je vais partir. Leur parler de Jésus. Pour dire, laissez fétiche la dénage, Jésus. S'il ne veut pas, les fétiches là-bas prendre ici. Je prépare ça très bien. Très bientôt, vous allez apprendre à tourner africain. Voilà, le monsieur, pendant que je partais chez lui, entre lui et moi,
Il a jeté, il m'a fléché. C'est-à-dire de lui à moi, il y a eu vertige. Vertige, il y a eu là. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Il y a eu vertige, puis je me suis arrêté. Vertige. Or, le gars, il voulait m'attraper. J'ai eu vertige, je me suis arrêté. Et ça fait au moins peut-être une minute. Les gens m'ont vu, c'était bizarre. Je me suis ressaisi. Et j'ai dit, Seigneur, tu es dans ta parole. Vous savez, quand vous êtes confronté, il dit, on vous fera, quand tu feras la guerre, mais on ne te vaincra pas. J'ai dit, Seigneur, tu es dans ta parole. Et quand j'ai dit, Seigneur, dans ta parole, tu dis dans ta parole qu'il fera la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Tu dis, 17-19. Alors, je me suis ressaisi. J'ai senti la chose partie. Je me suis ressaisi. Puis je suis allé vers lui. J'ai dit, bien, parce que je suis convaincu que tu es sorti. Il dit, mais lui-même, il sait, tout le village sait. Mais ce qu'il a envoyé contre moi, c'est filet. Il a jeté son filet sur moi. Et à sa demande, je lui dis, il voulait me prendre, il voulait me récupérer dans le filet, me taper. Vous voyez, non? C'est-à-dire, il a jeté le filet. Quand le filet allait me prendre, il allait me taper. Effectivement, il allait tomber. Il allait se réduire que je suis mort. À sa grande surprise devant lui, il dit, non, allons-y. Parce que j'ai habité à louper. Je sais maintenant que ce que tu fais là, c'est sérieux et Dieu dit non. Vous comprenez? Alors, c'est là qu'il va commencer à parler et puis il va délivrer et puis il va mourir après. Parce que quand tu attaques un élément comme ça, comme un maréchal, après il n'y a plus de prière pour dire Seigneur, là même là, le Seigneur même montre qu'il est puissant. Et moi, c'est comme ça qu'il a été libéré. Pour vous dire, la sorcellerie là, ce n'est pas de l'amusement. Les gens, ils sont là, ils jettent, il a jeté le filet, 6 mois, il a jeté le filet, quand le filet allait me prendre, il allait me frapper à terre, il allait se mettre du nez mourir. Qu'est-ce qu'il a dit après? Quand il a dit que le filet a échappé, il a échappé, parce qu'il n'échappe. Et quand ils attaquent là, c'est pour tuer. À sa grande surprise, je suis vivant. Gloire soit rendue à Dieu, c'est la protection de l'éternel. Je suis allé à Grand-Laoui comme un sorcier, il y a du pain. Le pasteur même sèche, il a les éléments de la vidéo, tout ça. Donc, je suis habitué à ça. Pour vous dire, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et la sorcier, c'est un lanceur de sorts, c'est celui qui lance un mauvais sort. Il peut être là pour te lancer les flèches mystiques. Il peut même t'endormir. Un sorcier, mais il peut t'endormir mystiquement. Il peut prendre ton intelligence. Voilà. Ils empêchent même le développement. C'est ça aussi le danger de la sorcellerie. Vous allez me dire, non, mais attends, attaquer quelqu'un. Parce que les gens, ils empêchent les gens de venir construire. C'est un petit développement, la sorcellerie. Qu'elles sont quelque part dans un endroit, il n'y a pas de développement dans cet endroit-là. Il n'y a pas de développement. Le coin peut être riche en sous-sol, mais pas de développement parce que la ressource humaine, les gens même qui doivent développer. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, nous qui devons développer l'Afrique, les gens qui doivent développer l'Afrique, le diable attaque ton intellect. Après, quand on voit un enfant à l'école, à un moment donné, on détruit ses études. Et le mal, il dit non, j'ai détruit son argent. Or, sans l'argent, il n'y a rien. Frère, sans l'argent, qui va te respecter? Sans l'argent, tu es nini. Ton bonjour même énerve les gens. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, mais quand il appelle les gens, ça dit, personne ne décroche ton téléphone. Personne ne le décroche. Mais quand tu dis bonjour, tu dis ah. Toi, tu dis bonjour toujours. Tu salues seulement. Oui. Donc, les sorciers, ils attaquent. C'est-à-dire, ils font que tu n'as plus de dignité. La première sorcellerie dans la Bible, c'est la sorcellerie de Caïn et Abel. Vous connaissez bien l'histoire de Caïn et Abel dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, si vous pouvez, on lit la parole de Dieu. À partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laborateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Amen. Voilà, amen. Regardez un peu l'histoire de Caïn et Abel. Vous voyez, Adam et Ève ont fait des enfants, Caïn et Abel, bien sûr. Abel était, n'est-ce pas, Caïn était un perturbateur, comme la Bible vient de le dire. N'est-ce pas? Abel était, on dit quoi? On dit Abel était berger et Caïn était cultivateur. Ils sont allés ensemble faire des offrandes. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu des offrandes, ils ont le fait des cadeaux à Dieu. Parce que par moment, il faut faire des dons à Dieu. Ça, c'est très important. Voilà. Au lieu de faire des dons fétiches, il faut faire des dons à Dieu. Comme ça, Dieu va continuer de te bénir. Si vous faites des dons à Dieu, il continuera de vous bénir. Ils font les dons. Et le don de Abel a été agréé par Dieu. Parce que ça dépend de comment tu fais des offrandes. Si tu fais une offrande que tu mérites, si tu fais des dons que tu mérites pour te faire boire par Dieu, alors Dieu va bénir Abel. Et comme Dieu a béni Abel, vous voyez son frère Caïn, la jalousie. Vous voyez la jalousie. Dans les familles, il y a des gens qui jalousent. Dans les familles, regardez là. Mais la jalousie est d'abord familiale. La sorcellerie, elle est d'abord familiale avant de devenir sorcellerie régionale, internationale. C'est d'abord dans ta famille que la sorcellerie va commencer à t'attaquer. Ils sont de même père, même mère. Et voici ce qui va se passer. D'abord, il dit, il a regardé David être... Abel d'un mauvais œil. C'est-à-dire, pourquoi c'est lui Dieu béni? Vous voyez, la sorcellerie, c'est le sauvage. Pourquoi c'est lui et puis c'est pas moi? Mon frère, chacun a son temps. Dis amen. Amen. Chacun a son temps avec Dieu. Ça dépend. Si tu travailles, Dieu va te bénir. Mais pourquoi toi tu m'en veux? C'est ça le problème. Et puis nous les Africains, et surtout nous les Ivoiriens, on a ce problème-là. C'est vrai que l'Afrique, hein, mais en particulier les Ivoiriens, n'aime pas voir les gens avancer. Quand tu avances, on cherche à te détruire. Voilà. La sorcellerie, c'est ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un prospère, on cherche à le détruire. Il a commencé à prospérer. Alors, on dit Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Parce que Dieu, en train de bénir quelqu'un, toi, tu es fâché. C'est quoi ça? Quelqu'un prospère, il a de l'argent, il gagne de l'argent, toi, tu es énervé. Alors, il va tomber sur son frère pour le tuer. Donc, la sorcellerie, c'est la jalousie haineuse. La jalousie haineuse. On est jaloux, on a la haine. Or, dans la parole de Dieu, dans les vies de Jean, Jean le chapitre, de chaque 3, voilà, on dit, le verset 14, quoi, on dit, celui qui a de la haine pour son prochain est un meurtrier. Quand tu as de la haine pour ton prochain, tu n'aimes pas avoir quelqu'un qui dit non, et toi, tu fais tout pour pouvoir le nuire. Mais la vie, là, il y a ce qu'on appelle le karma. Quand tu cherches à détruire quelqu'un, demain, la même chose va t'arriver. Le monsieur, il allait faire son offrande. Dieu a grillé, il a cherché à le tuer. Donc, la sorcellerie est d'abord familiale. Mais ah non, c'est mon frère, ou c'est ma maman qui va le tuer. Qui t'a vu là? On est même ça, il ne peut pas le tuer. Qui vous a dit qu'il ne peut pas le tuer? Sorcellerie, là, c'est toi qui connais. Chacun va dormir, il ne sait pas où l'autre va. Non, puis toi tu protèges. Non, c'est ma maman, depuis là, moi c'est mon frère, il ne peut pas me protéger. Mon frère, toi tu dors, toi-même tu sais comment tu dors. Mais elle, tu ne sais pas comment elle dort, tu ne sais pas comment il dort. Chacun va dormir. L'ougari, ce n'est pas si la guerre privée, elle toufla, ou bien elle zonoula, ou bien elle jogonafla. Ils ont tu ne sais pas quel avion il prend la nuit pour voyager. Pourquoi tu rentres, tu viens. C'est pour ça que par moment, quand quelqu'un sortit dans la famille, mon frère, il ne faut pas prendre des positions. Sinon, tu seras déçu. Parce que tu ne connais pas. Tout compte fait, toujours, Dieu va dévoiler le sorcier de votre famille. Ça ne se cache pas. Tôt ou tard, ça va se révéler. Amen. Tôt ou tard. Voilà. Et celui qui parle de ça, c'est celui dont on combat. Non, pourquoi il accuse? On n'accuse pas, mon frère. Un chien, c'est chien. Un chat, c'est chat. Comment tu avertis? Tu avertis. Maintenant, si tu ne veux pas accepter, Dieu agit. Les gens disent, ah, mais si tu ne veux pas. Vous voyez, quand Dieu vous révèle la sorcellerie dans votre famille, quand Dieu vous révèle sa sorcellerie familiale, c'est à vous maintenant de composer avec Dieu. Être patient. Vous pouvez regarder, prier Dieu.
pour que le Seigneur agisse. Non, ce n'est pas une division. On ne vient pas diviser une famille en disant par une révélation de Dieu qu'il y a telle chose dans la famille. Ce n'est pas pour diviser une famille. C'est une révélation de Dieu. Elle suit son compte, la prophétie, et elle marche vers ce thème. Mais si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Attends-la. La Bible dit qu'attends-la. Il y a une période où il dit attends-la. C'est attends-la. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de Dieu. C'est une question de composer avec la vision de Dieu et tu verras les choses se passer. Vous comprenez? Alors, Caïn décide de tuer. Et Caïn a tué Abel. Pourquoi? À cause du fait que Abel, Dieu a béni Abel. C'est la sorcellerie familiale. C'est dans la famille. On regarde, on dit non, pourquoi l'autre prospère? Pourquoi l'autre prospère? Et c'est lui qui a la chance. Celui qui est chanceux, qui est en train de construire, qui a des bonnes choses, c'est celui qu'on tue. Ou du moins, celui qui a une étoile. C'est vrai qu'il n'a pas encore construit, mais quand demain, quand là, parce que les sorciers, ils savent qui sera demain quelqu'un. On regarde, on dit lui là, il sera grand dans la famille, il faut le détruire. Vous voyez comment? Comment on détruit les étoiles, les gens puissants dans la famille, et qu'on les anéantit? Alors, la sorcellerie familiale. Donc, le roi qui joue le diable, la sorcellerie, d'abord la jalousie, et puis on détruit. Il est d'abord familial. Et puis, regardez, quand Jésus dit le voleur, on compare le diable comme un voleur. Dans Jean, le chapitre 10, le verset 10. Le voleur, parce que c'est, il tient un usurpateur. Il peut usurper votre bénédiction. Il peut voler votre bénédiction. Pendant que vous dormez, vous avez beaucoup de clients le matin, les gens vous fuient. Vous ne devenez rien, rien. Vous vous anéantissez. Vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive. Mais le problème est spirituel. La nuit, on peut venir chipper votre bénédiction. Le ravisseur, comme le fait le diable, peut venir détruire ça. Mais encore, et le diable, il gâte. Il tue. Il vole. Il gâte et puis il tue. C'est ça le problème, c'est de tuer. La tuerie après. Il y a mort d'homme. On tue après. C'est ce qui est le danger. Alors, la sorcellerie fait qu'aujourd'hui, en Afrique, les bras valides, les gens qui doivent développer, ils doivent avancer, ils doivent développer la région, ils ont peur. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont l'espace victime de beaucoup de choses. Chacun sait ce qu'il vit personnellement. Regardez, tu crois à la sorcellerie, tu ne crois pas. Ils s'en foutent de ça. D'ailleurs, les sorciers, ils aimeraient que vous laissiez dans l'ignorance. Qui vous ne croyez même pas ça? Ils aiment bien ça. C'est pour ça que le sorcier, quand tu vas commencer à parler, il va d'abord nier. Le vrai sorcier, il nie d'abord. Il nie. Je ne suis pas sorcier. Je jure, c'est les premiers à jurer. Si vous voyez quelqu'un qui commence à jurer, souriez, il est sorcier. Parce que eux, ils aiment bien narguer, ils aiment bien jurer. Oui, donc la sorcellerie, c'est le mal. Pourquoi on doit détruire ça? Parce que la sorcellerie appauvrit les gens. Le sorcier peut te rendre célibataire, une femme. Il détruit ton mariage. Et puis tu es comme l'homme dit. C'est-à-dire, Vincent vient avec toi, Pierre vient avec toi, Jacques vient avec toi, et jusqu'à un certain âge, tu es fermé. Pour une femme, un certain âge, c'est fini. Hein. On te suce comme l'homme dit. Et puis on te jette. Et toi-même, si tu ne fais pas attention, tu deviens sorcière parce que tellement que tu es la haine, tu deviens sorcière. Tu regardes miroir jusqu'en Seigneur, c'est moi qui suis comme ça. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Et puis, sorcellerie, tu prends. Tu es belle, tu ne peux pas te marier. Et un homme aussi, tu ne peux pas te marier. Ça arrive aux autres. Il peut y avoir un mariage spirituel. Un sorcier peut te marier spirituellement, la sorcellerie. C'est ça le mariage spirituel. C'est les sorciers qui font ça. Sur le plan spirituel, un sorcier, il peut avoir des mariages spirituels. C'est pour ça que pour nous, tant que le problème spirituel de l'Afrique n'est pas réglé, c'est vrai qu'il y a deux volets. Il y a un problème spirituel, il y a un problème intellectuel, qu'on appelle un problème éducationnel. Tant que ce fléau, et que nos parents ne lâchent pas le fétichisme, le baraboutard, tout ça donné à Christ véritablement, il sera difficile que l'Afrique évolue. Amen. Amen. C'est cela que la Bible nous dit. Vous ne laisserez pas une personne qui pratique la sorcellerie. Mais ça, c'est la version française. Vous avez la version parole française courante là-bas. Amen. Amen. Exode 22, verset 17. La version dit tu ne laisseras pas évoluer les œuvres de la sorcellerie. Parce que dans la tradition, on peut diluer. Parce que quand la sorcellerie évolue quelque part, il y a beaucoup de mentalités, il y a beaucoup de choses, parce qu'il peut y avoir des sacrifices humains. La sorcellerie peut réclamer le sang
Parce que par exemple, le mois d'août, dans le monde mystique, le mois d'août, c'est le sixième mois de l'année. Et le mois d'août, c'est fait pour la tuerie. C'est pour ça que je ne suis pas étonné quand il y a beaucoup de mortalité un peu partout en Afrique. Les gens tirent, on prend prison, on tire sur quelqu'un, le sang verse. Bon, père à son âme, il dit à la fin des morts, père à son âme. Je crois très bien que ce sont jours, père à son âme. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui se font dans le mois d'août. Et nous allons voir des cascades, des séries de morts programmées à partir du mois de septembre, octobre, décembre. Septembre, octobre, novembre et décembre. Les mois encore les plus dangereux, ça arrive. Alors, c'est pour dire que la sorcellerie, qu'elle est quelque part, elle tue, elle détruit, malheureusement, ceux qui doivent développer. Et malheureusement, ce sont ceux qui font du bien, ils sont victimes de cette méchanceté. Et à la sorcellerie, pour perpétuer la sorcellerie, la chose qu'ils font après, c'est que les sorciers, ils arrivent à initier les gens, l'initiation. De telle sorte que dans la famille, ça ne finit pas. On initie l'autre, on vient initier les enfants, et puis, attends, personne n'est à l'abri si ce n'est pas la grâce de Dieu. Vous pouvez être là la nuit, un sorcier peut venir te faire manger. J'ai donné l'exemple, je dis, quand vous voyez dans le rêve, dans le sommeil, quand vous dormez, puis dans le rêve, on vous donne à manger de la viande, c'est l'initiation à la sorcellerie. Ou on vous donne de l'huile, mais mélangé de l'eau rouge, ou bien de la quiquette de l'eau rouge. De l'eau rouge, quand vous voyez, c'est l'initiation à la sorcellerie. Ça, c'est des grands signes. Mais si vous voyez quand vous donnez de fruits, vous mangez du fruit, de la menthe, de la banane douce, ça, c'est pas l'initiation de la sorcellerie. Ce signe-là, pour que bientôt, très bientôt, vous allez récolter le fruit de votre travail. Parce qu'on dit fruit, ça veut dire que c'est les époques qu'on a fruit qu'on récolte. J'ai semé quelque chose, j'ai planté mon pied, donc je dois récolter, manger. Je dois récolter et puis manger. Voilà. Vous m'avez bien compris? Amen. 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 Est-ce qu'on m'a saisi? Amen. Ok. Donc, voici un peu. Donc, sur ça que les Blancs, les Occidentaux, au Moyen-Âge, ont combattu la sorcellerie, ont radiqué la sorcellerie chez eux. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a le développement. Sinon, le fer, c'est en Afrique qui prend le fer. Le bois, c'est en Afrique. L'or, c'est ici. Le diamant, c'est ici. Le pétrole, on a pris. Le chouchou est riche. Mais ils ont pris le temps au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Du 6e. Du 14e, 15e, 16e, 17e siècle, ils ont radiqué la sorcellerie, la chasse aux sorciers, on détruisait toutes les pratiques de la magie noire, le cultisme, la sorcellerie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va chez eux, sont développés. C'est vrai qu'il y a la sorcellerie sous d'autres formes, qui est la science occulte, l'essence occulte, la franc-maçonnerie, la magie noire et tout ça, la rose quoi, les sept, vous connaissez tout ça. Mais après avoir radiqué la sorcellerie, il y a eu, n'est-ce pas, l'évangile qu'ils ont imposé. L'Europe a commis un grand leader spirituel pour aujourd'hui en bénéficie. Ok? L'Afrique a besoin de sortir du fétichisme. Aucun fétiche ne peut vous protéger. Aucun fétiche ne peut vous protéger. Parce que si le fétiche protégeait aujourd'hui, parce que souvent les gens en veulent aux Blancs. Mais non, les Blancs nous ont beaucoup aidés. Je disais ça aux Africains ici. Les Blancs, ça peut être, je vous ai dit, si une notion, ça n'avait pas lieu aujourd'hui, ce sont ceux qui ont envoyé cette. Voilà. Donc c'est là aussi dans les ténèbres qu'on vivait dans les arts. Alors les Africains doivent aussi, après avoir combattu la sorcellerie, bien sûr, il faut pas jouer ça. Parce que s'il y a la sorcellerie, il ne faut pas jouer ça. Si tu jouais ça, tu vas t'attaquer. Il y a un monsieur qui est venu avec sa fille, ici, en 2017. Il est venu, il avait 2016. Alors, il vient son enfant, sa fille, tout ça, elle vient les chercher. Lui, il ne pourra pas trop, mais comme elle a dit, elle a programmé son père. Il ne pourra pas. Mais comme elle a dit, puis bon, de temps en temps, quand elle voit les choses, ça arrive. Je vais regarder le droit dans mes yeux. Il dit, sorcellerie, tu crois pas, ça va arriver. Il a eu nom de prier pour elle. Donc, il est parti. Il est revenu. Il a banalisé la chose. Moi, je suis allé aux États-Unis, en croisade de mondialisation aux États-Unis. Je suis rentré, tout ça. Et puis un matin comme ça, comme il était amis sur Facebook, je vois rire. Il donne son nom comme ça, on dit il est mort. Il est mort. Un matin, il est mort. C'est fini. C'est fini, il est mort. Moi, j'ai appelé ses amis, ils m'ont envoyé dire, vous voyez, il n'a pas cru à la chute, il a joué ça. Voici, il est mort. Donc, en fait, il sorcellerie, la frère. Ce n'est pas une question de crasse. Tu peux ne pas m'aimer. D'ailleurs, je m'en fous. Tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse.
J'ai un message pour dire la sorcellerie existe bel et bien. Le seul moyen pour éviter, c'est la pression de Christ en nous qui peut nous mettre à l'abri de la sorcellerie. Aucun fétiche, ton kéiwa qui mène sur tes reins, ça ne peut pas te sauver. Ton grigri là, quand sorcier va t'attaquer, ça va couper tes reins. Hein? Ça va te donner zona ou bien ça va te donner hémorroïdes sévères. Donc ce n'est pas ça qui va sauver. C'est la présence de Dieu dans ton cœur. Jésus, comme sauveur le Seigneur dans ton cœur, qui amènera, n'est-ce pas, le sorcier à fuir. Amen. Amen. La véritable protection, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous voulez vraiment expérimenter Jésus, ceux qui veulent l'accepter, que vous dites. Comme ça, nous allons prier ensemble, avant de poursuivre. Ceux qui veulent accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Alors, avec moi, la prière. On lève les mains. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je décide. Je décide. De t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne. La personne. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. De m'avoir accepté. De m'avoir accepté. De m'avoir pardonné tous mes péchés. De m'avoir pardonné tous mes péchés. Amen. Amen. Allez, veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Seigneur, merci de sauver cette personne. Veuillez vous asseoir. Alors, ce que je vais vous dire, après avoir fini d'accepter Jésus, pour d'autres qui sont à Divot, c'est une église évangélique, vous pouvez ici avoir quand même une lieu de culte pour ceux qui iront peut-être à Abidjan, dans vos différentes villes, localités, dans vos différents pays, chercher une église où Jésus-Christ est prêché en vérité, en esprit en vérité, et adhérer à cette église. Acheter une Bible pour ceux qui savent lire. Et puis, allez-y, présentez vos pasteurs dans cette église pour qu'ils puissent vous suivre. C'est beaucoup très important. Comme ça, vous serez à l'abri des œuvres de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dit Amen. Amen. Je ne vais pas seulement parce que sorcier en train de t'éviter et de manger. Ah non, il y a des sorciers de manger. Il va aller à la brigade. Si on prie pour toi, que Dieu te délivre de l'esprit de la progression de mort, que toi après, tu ne marches plus selon Dieu. Avant, c'était que Dieu nous, non. Maintenant, c'est sort d'imblé. Ils vont aller payer d'imblé. Et d'imblé, là, quand ils vont prendre, beaucoup comme ça. Et puis, ils vont mettre un gombo frais dedans. Ou maintenant, ils vont faire leur copain. Et puis, ils vont mettre une rouge. Vous connaissez. Puis, tu vas venir à Bouti. Son plat calé. Reste tranquille. Donc, pour manger une nuit seulement, ce qui se finit. Si vous voulez que Dieu vous protège. Non, on allait, et le prophète a prié pour moi, et après, il y a une suite. Le après, faut marcher avec Dieu. Après, faut marcher avec lui. Si tu ne marches pas avec lui, le démon revient. Jésus dit, si un démon sort d'un corps, il revient après. S'il voit qu'il n'y a plus de présence de Dieu, il revient avec sept démons plus puissants que lui. Vous comprenez? Donc, la suite, c'est toi. Si on a prié pour toi que la maladie est revenue après, ce n'est pas question de prophète. C'est ce qui t'a fait là, c'est ce qui va ramener la maladie. Parce que Dieu, on ne joue pas à lui. Au moins, on a prié, tu as été guéri. Au moins, on a prié, tu as été déprogrammé. Gloire à Dieu. Mais après, c'est de marcher selon lui. Si tu ne marches pas selon lui, ça va venir. Parce que quand on se sépare, on ne sait pas ce que tu fais après. Si tu veux aller regarder quelque part, mon cher, c'est ton problème. Si tu as fétiche, il faut aller jeter ça. Les deux choses qui ne vivent pas ensemble, c'est Jésus qui fétiche. Mon frère, ça ne vit même, ça peut même pas cohabiter ensemble. Vous comprenez? Non. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. M'a bien saisi? Amen. Ne dis pas non, ni aide-toi, et puis le ciel, frère. Ça, c'est pas un verset biblique. Si tu peux déjà t'aider, Dieu ne pourra jamais t'aider. Quelqu'un qui peut s'aider, Dieu vient. Dieu vient en aide à ceux qui n'ont plus de force. Amen. Amen. Il dit, vous êtes chargé et fatigué. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Vous comprenez? Amen. Donc, il faut aller en aider tes nénis. Petit schlag, dégage. Amen, c'est un pasteur. Ils n'ont qu'à brûler.
S'il y a quelque chose qui est enterré dans ta cour, c'est dangereux, c'est une alliance. C'est un pacte, une alliance que tu as tissé avec les démons. Il faut détruire ça. C'est pas bon. Parce que ça peut agir sur toi et ta descendance. Les sorciers, le petit chip, c'est quelque chose qui est très dangereux. Séparez-vous de ça. Les gens disent non, affaire de Dieu, c'est affaire de Jésus, c'est affaire des blancs. Qui vous a dit que c'est affaire des blancs? Et non, nous on a nos réalités. Bon, nos réalités, réalité des blancs, elles se développent. Est-ce que toi, ton descendant, ton zamblé, ton zadi, il est développé au village, à sa société? Amen. Amen. Et pour les blancs. Mais blancs est développé. Pourquoi on ne choisit pas ce qui fait développer? Et puis vous voulez qu'on reste dans notre tradition bizarre. Aucunement la sorcellerie ne peut faire développer une nation. Le fétichisme ne peut pas faire développer une nation. C'est la présence du Dieu d'Israël, Baruch Hashem. Le Dieu véritable, par la présence de Jésus-Christ, peut vous délivrer. Donc je mets le feu sur tous les fétiches au nom de Jésus. Sur tous les fétiches. Je détruis tout ça au nom de Jésus. Amen.